Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors j'espère que vous prenez bien soin de vous. Le soleil est encore avec nous, c'est fabuleux. Et justement, ce que je voulais vous partager dans cette capsule vitaminée, ce sont les quatre hormones du plaisir qu'on peut activer naturellement. Et oui, parce que nous sommes des acteurs de notre vie, donc on va augmenter notre bien-être et on va prendre soin de soi. Alors comment? Alors la première hormone que je voulais vous partager, c'est l'endorphine. Alors c'est une hormone qui est sécrétée naturellement quand on a de la douleur pour notamment la soulager. Elle a une autre fonction, c'est pour envoyer du plaisir, voire même avec une sensation d'euphorie. Alors, comment on peut retrouver cette euphorie, ce plaisir, en envoyant cette belle chimie qu'on a dans le corps? Eh bien, en souriant, en rigolant. En fait, on peut aller, par exemple, regarder des films comiques pour bien rigoler et s'envoyer de la bonne endorphine qui va nous faire du bien. C'est rigoler et échanger des blagounettes avec ses amis, son entourage. Si on n'a ni l'un ni l'autre ou qu'on veut varier les plaisirs, le simple fait d'esquisser un sourire suffit pour duper le cerveau, pour dire tiens, je suis bien, je suis heureux, je vais m'envoyer l'endorphine. Donc voilà, ça c'est la première hormone que je voulais vous partager. Deuxième hormone, c'est la dopamine. C'est, on va dire, un neurotransmetteur hein, qui est donc sécrété par notre cerveau et qui active le système de récompense. De bons petits fruits sucrés, donc c'est fabuleux, c'est bon, c'est un bon petit fruit sucré. Alors, comment on fait pour justement cela déclencher naturellement? Alors, on branche le son, on écoute de la musique, on chante, on danse, on vibre, on est vraiment dans le plaisir. Et il y a certains aliments qui sont riches justement en tyrosine. C'est des amandes, des avocats, des bananes. Je vous laisserai regarder sur Internet. Je vous laisserai peut-être la liste sur le fil d'actualité d'aliments qui aussi génèrent cette dopamine. Super, non? Qu'est-ce que vous en dites? Troisième hormone que je voulais vous partager, c'est la sérotonine. Alors, elle est plus vulgairement appelée l'hormone du bonheur. C'est celle qui, en revanche, diminue en cas de stress, puisque c'est comme un messager chimique du système nerveux, la sérotonine, et qui intervient sur plusieurs parties et fonctions physiologiques comme le sommeil, l'humeur, la dépression, et souvent des comportements agressifs. Alors, qu'est-ce qui va permettre d'atténuer tout ça et justement nous envoyer cette sérotonine naturellement? Alors, il y a la gratitude. Remercions justement ce qui se passe. Remercions les personnes qui sont à nos côtés. Remercions l'ordinateur qui me permet d'être en lien avec les autres. J'en passe des meilleurs. Soyez dans la gratitude de ce qui se passe pour vous. Et on profite de, alors si c'est possible, de la nature ou autrement, l'idée c'est de profiter de la lumière, des rayons du soleil, voire même du rayon du soleil, ce qui va vraiment favoriser la sérotonine, la fixation aussi de la sérotonine. Ça peut être un moment aussi pour se souvenir des bons moments. Alors, on a le temps peut-être de classer ses photos, de faire des albums avec tous les bons souvenirs qu'on a partagés jusqu'à présent. Quatrième et dernière hormone que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'ocytocine. Alors là, elle est géniale, cette hormone, puisque c'est l'hormone de l'amour et du lien social. Et donc, en fait, c'est fabriqué par notre cerveau, toujours, lorsque nous échangeons des marques d'affection ou des paroles bienveillantes. Donc, l'idée, truc et astuce, échangeons positivement et ayons de l'affection. Ça va être du chaud doudou, c'est prendre les personnes dans nos bras. Un doudou, de la ronron-thérapie, par exemple, on caresse son chat. Enfin, tout ce qui est un peu tactile, relationnel. Si ce n'est pas possible, eh bien, clairement, on va partir en méditation, on va se faire du bien.
voire même on va avoir ce sentiment d'utilité en faisant des bonnes actions, en aidant son prochain. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors on booste nos hormones de bien-être naturellement sécrétées et ça va nous faire du bien pour la journée. Donc prenez bien soin de vous, on a tout en nous pour nous donner du plaisir, du bonheur dans cette belle chimie qu'on a en nous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à partager des sujets ou des questions dans le fil d'actualité où je me ferai un plaisir de répondre dans ces capsules. Je reste naturellement à votre disposition, à votre écoute en téléconsultation. Et puis, passez une très belle journée. À bientôt.